des politiques éducatives, de l'école, est un sujet, comme d'ailleurs ceux que nous attachons à aborder, hein, un sujet qui nous concerne tous, puisque nous avons des enfants, nous avons été enfants, nous avons été élèves, nous avons été étudiants. Bref, et c'est un sujet évidemment pour la nation qui est absolument, absolument déterminant et majeur. Alors, vous me permettrez, avant toute chose, à titre de préalable, et aussi pour souligner la visée programmatique de mon propos, parce que nous sommes un parti politique dont la finalité est de changer ce qui est dans le sens de ce qui est possible et souhaitable, et de sorte que mon propos se conclura assez longuement, je veux dire que la partie conclusive sera assez longue, sur une suite de propositions de réforme de notre système d'enseignement que je présenterai. Mais avant toute chose, eh bien, je voudrais en quelque sorte justifier en me présentant de ce point de vue ce qui justifie, enfin justifier pour quelles raisons j'interviens ce soir sur ce sujet-là, vous apprenant, du moins à ceux d'entre vous qui ne le savent pas, que je suis enseignant de métier, de profession, toujours en exercice. Parfois, on croit que je ne le suis plus du fait que la politique est peut-être l'une de mes activités, disons, les plus prenantes. Mais je n'ai jamais cessé quasiment d'être en exercice. J'exerce, envers et contre tout, serais-je tenté de dire, la noble fonction de professeur de philosophie dans un lycée public de province. Et je mentionne simplement pour indiquer que j'ai une connaissance un peu plus large du système, que j'ai débuté ma carrière dans l'enseignement agricole. Je crois que d'ailleurs parmi vous va se trouver une de mes anciennes collègues de cette époque lointaine que je salue au passage. J'ai également pendant un temps enseigné à l'université, dans une université, je parlerai assez peu ce soir de l'université, mais dans une université, une petite université de province, souffrant de moyens, d'un manque de moyens, ayant subi la loi sur l'autonomie des universités du Pécresse, de sorte que j'ai considéré au bout de 4 ans que les conditions n'étaient pas réunies pour que je puisse faire ce travail à titre de chargé d'enseignement à l'université correctement, et que j'en ai démissionné. Alors, outre ma profession, il se trouve que j'ai pris très tôt conscience des multiples dysfonctionnements qui compromettent notre système d'enseignement et qui lui interdisent, en réalité, de remplir ses fonctions essentielles. J'ai compris aussi de longue date, je le crois du moins, les logiques qui sont sous-jacentes, qui expliquent cette situation et son aggravation constante depuis plusieurs décennies. Et c'est la raison pour laquelle, depuis déjà de nombreuses années, plus de 20 ans, eh bien, j'ai entrepris, par l'écriture de textes, d'analyses, mais aussi par des prises de parole publiques qui sont ensuite devenues des conférences, comme donc celle que nous faisons de façon dématérialisée ce soir, eh bien, j'ai entrepris de décrire cette situation, de décrire les logiques que j'évoquais à l'instant et dont je vais reparler plus longuement, d'établir également les responsabilités qui sont les responsabilités de la situation que connaît notre école, qui sont non seulement à rechercher du côté, bien sûr, des politiques éducatives conduites par les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, je tiens à le préciser, mais qui sont aussi, ces responsabilités, celles d'un certain nombre d'experts. La fonction publique, et particulièrement l'éducation nationale, adore les experts, experts entre guillemets, j'insiste sur les guillemets, parce que ce sont des gens qui sont d'une part souvent pétris d'idéologie, qui sont même des fanatiques idéologiques dans bien des cas, et qui, chose bien dangereuse et qui explique bien des choses, ont de surcroît l'oreille des ministres et dans l'histoire des politiques éducatives ont pesé en réalité bien souvent de toute leur influence pour déterminer ces politiques éducatives, ce qui explique pour une large part
la situation de notre pauvre école. Ce travail d'analyse de la situation de notre système scolaire, eh bien, je l'ai d'abord conduit dans un cadre syndical, puisque il y a un certain nombre d'années, j'étais engagé syndicalement, je l'ai été pendant 10 ans, dans un des rares syndicats, dirais-je, fréquentables de l'éducation nationale, que je pourrais éventuellement nommer, il n'y a pas de secret, peut-être si on revient sur ce point. Mais très vite, parce que j'en suis vite revenu du syndicalisme enseignant, eh bien, c'est un travail qu'en fait je mène depuis maintenant une bonne quinzaine d'années dans un cadre politique. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, en tant que référent national à l'éducation, du mouvement Les Patriotes, eh bien, je m'adresse à vous ce soir. C'est un travail que antérieurement, toujours dans un cadre politique, j'ai mené inlassablement dans le cadre d'une organisation que j'ai cofondée avec quelques autres, notamment avec Daniel Philippot, que vous connaissez bien, organisation qui existe toujours, qui s'appelle Racine, qui est une association de loi 1901, qui s'appelle Racine des enseignants patriotes, qui donc a été à l'origine fondée dans le cadre d'un autre parti politique par lequel un certain nombre d'entre nous sommes passés, vous connaissez aujourd'hui quelques déboires, comme vous le savez. Et c'est à ce titre que, et je vous rassure, dans ce collectif Racine, il y avait pour l'essentiel des gens qui ensuite ont suivi Florian. Hein, et c'est dans ce cadre de ce collectif Racine que nous avons fait un énorme travail, disais-je, de réaction au jour le jour pendant donc ces assez longues années sur l'actualité éducative, sur le sort que les ministres successifs, on en a vu depuis 2013, si je compte bien, passer 4 ou 5. Donc nous réagissions et nous avons surtout élaboré un travail, conçu et élaboré un programme complet en 100 propositions, un programme complet, si vous voulez, de redressement. Et je dis, parce que c'est plus adapté à la réalité de la situation que nous connaissons aujourd'hui, un programme même de sauvetage de notre système scolaire. Programme qui, dans l'éventualité qui était peu probable, évidemment, où la candidate de ce parti politique qui a obtenu 11 millions quasiment de voix au second tour aurait été élue, aurait sans doute, aurait peut-être, on ne le saura jamais, eh bien, été appliquée, du moins pour partie, ce qui aurait été salutaire. Je ne parle pas du passé en évoquant ce point. Il s'avère que ce programme est toujours d'actualité, que je n'ai pas cessé depuis que les Patriotes, bien au contraire, ont été fondés, ce travail d'analyse et ce travail programmatique, en rencontrant d'ailleurs des personnes susceptibles de donner leur expertise sur ces sujets que je ne connaissais pas auparavant, et que nous pouvons le dire ce soir, un projet complet pour l'école et l'université, que les Patriotes pourront évidemment porter à l'occasion des échéances électorales à venir. Les Patriotes peuvent compter sur un projet d'éducation complet et détaillé, qui trouve son inspiration dans ce que l'école fut par le passé, mais qui tout autant, par les aspects novateurs du dit programme, eh bien, est pleinement adapté aux enjeux du présent et de l'avenir. Mais faisons, si vous le voulez bien, tout d'abord un point sur la situation que j'ai mentionnée par des mots qui, à première vue, peuvent paraître quelque peu exagérés, parler de naufrage. En réalité, je pèse mes mots quand je parle de naufrage, de nécessité de sauvetage du système scolaire. Qu'en est-il, en effet, aujourd'hui de notre système d'enseignement? Eh bien, je dirais que le constat s'impose que l'école de la République est entrée depuis les années 70, dans un lent et inexorable processus de déclin, et qu'il est de surcroît d'autant plus difficile de consentir à ce déclin, qu'il fait suite à une période où l'école de la République, l'école française, était incontestablement l'une des meilleures au monde. Une époque où peu
petit à petit, donc, cette école a été construite en se fondant sur des principes tels celui d'excellence, de mérite, puis un peu plus tard d'égalité. Une école qui fut le fruit de notre glorieuse histoire, de notre histoire dans ce qu'elle a de plus glorieux. Et je commencerai par là, en rappelant bien sûr que ce sont nos grands monarques, et singulièrement les derniers d'entre eux, qui, parce qu'ils avaient la conscience aiguë de ce que la grandeur et la puissance du royaume supposaient une forme d'excellence, eh bien, ont jeté ou ont posé les premières pierres de notre école républicaine. Ainsi, par exemple, c'est sous Louis XV que fut créée la première grande école, qui existe toujours, qui est l'École royale des ponts et chaussées, qui fut créée en 1747, simplement parce que donc, le souverain savait bien, le roi donc, à l'époque, eh bien, savait bien que, vu les évolutions, les progrès techniques, la France, pour conserver son rang parmi les nations, pour continuer de réunir les conditions de sa grandeur et de sa puissance, eh bien, devait former des ingénieurs d'élite. Notre école a aussi, bien sûr, été construite, édifiée largement à l'issue de la Grande Révolution par le Consulat et par l'Empire. C'est en effet au cours du Consulat, le fait de Bonaparte, que furent créés les premiers lycées et le premier Empire a vu la naissance du baccalauréat qui a été créé par le décret du 17 mars 1808. Incontestablement, Bonaparte, Napoléon, a été en cette matière, comme dans sans doute toutes les autres, éclairé par l'exigence de donner corps à cette vertu qui est le mérite. Et dans le prolongement de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, eh bien, la perspective était bien de faire du mérite ce qui fonderait les distinctions sociales. Par ailleurs, pour poursuivre sur cette brève histoire, ce bref historique, eh bien, l'école de la Troisième République a ensuite sans doute constitué ce que je n'hésite pas à appeler l'âge d'or de notre école républicaine. En effet, elle en a universalisé l'accès et elle a placé donc sous le signe de l'égalité républicaine, concept que je crois nécessaire d'éclairer, ce que je ferai un peu plus tard, tout en conservant bien sûr jalousement les exigences d'excellence et de mérite, eh bien, elle a en quelque sorte réalisé la synthèse de ces trois principes, hein, le mérite, l'excellence, et l'égalité. Elle permit de ce fait, l'école de la Troisième République, eh bien, de très nombreux parcours de promotion sociale, de réussite individuelle, dont avec le cœur brisé, je dirais qu'ils sont aujourd'hui devenus largement impossibles. Qu'on pense par exemple, pour donner un exemple illustre, à l'itinéraire personnel d'un Charles Péguy, pur produit de l'école de cette Troisième République. Enfin, le plan Langevin-Vallon, qui pour mémoire est le plan qui paradoxalement n'a pas été appliqué en tant que tel d'ailleurs, le plan de redressement de l'école républicaine consécutivement à l'occupation et au régime de Vichy, Paul Langevin et Vallon étaient tous deux d'ailleurs des compagnons de route ou encartés peut-être pour le second, je ne me souviens plus, du Parti communiste français. Eh bien, le plan Langevin-Vallon a continué, même s'il n'a pas été en tant que tel appliqué, à inspirer l'excellence de notre école républicaine durant la double décennie, soit 50-60, excellence qui n'avait quasiment rien à envier à l'excellence qu'avait cette même école, qui était celle de cette même école antérieurement à la guerre. Alors, ne vous méprenez pas sur le sens de cette évocation historique. Je ne retrace pas
notez-le bien, les étapes de cette glorieuse histoire par nostalgie ou par fascination passéiste. Ce n'est pas tant l'école telle qu'elle fut qu'il s'agira de tenter de refaire, mais ce sont les vertus et les principes que j'ai mentionnés plusieurs fois, à savoir celui de mérite, celui d'excellence, celui d'égalité, qui devront incontestablement, pour l'avenir, à nouveau inspirer et orienter l'école telle qu'il s'agira de la construire. Il y a, pour le dire plus clairement, quelque chose qui me paraît assez vain dans le fait de prétendre, par exemple, restaurer le port de la blouse ou le certificat d'études primaires. Ce sont là, à mon sens, des propositions qui sont motivées par la seule nostalgie qu'on peut comprendre. Mais de façon beaucoup moins vaine en réalité que ces intentions nostalgiques, il me semble donc que l'impératif, c'est de refonder notre école sur les principes d'excellence, de mérite et d'égalité. C'est la condition pour que celle-ci, eh bien, renoue avec ses missions essentielles. Sans doute sera-t-il pertinent de ne pas viser le rétablissement, de ne pas chercher à faire, si vous voulez, à restaurer l'école d'antan. Voilà. L'impératif de restaurer l'école sur la base de ces trois principes s'entend d'autant mieux que, et on va donc parler du présent, que ces trois principes, ces trois vertus ont totalement aujourd'hui, en réalité, déserté nos établissements d'enseignement. Il n'y a plus ni reconnaissance du mérite, il n'y a plus ni recherche de l'excellence, et ou, comme je l'expliquerai un peu plus tard, l'égalité bien comprise a en réalité totalement été battue en brèche. J'ai coutume de dire, c'est les termes, peut-être certains d'entre vous m'ont-ils entendu à cette occasion, que j'ai utilisé lors de notre deuxième congrès à Bourg-en-sur-Oise, j'ai coutume de dire, par métaphore, que l'école aujourd'hui est en fait profondément naufragée. Parler ou décrire l'école de 2022, c'est en fait décrire un naufrage. Et c'est un naufrage où s'abîme depuis plusieurs générations maintenant. Alors, à la fois, parce qu'évidemment, c'est corrélé dans l'école, qui n'est pas un service public parmi les autres, qui est bel et bien ce que je nommerais un service organique de la République. Dans ce naufrage de l'école telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, s'abîme à la fois, bien sûr, l'avenir individuel de très nombreux, d'innombrables enfants et jeunes gens. Mais du même coup, c'est l'avenir collectif de la nation qui s'abîme, bien entendu. Au point que si l'on ne parvenait pas à sauver l'école, tel qu'il est absolument impératif de le réaliser, et tel que, bien sûr, il n'y a pas à attendre du tout du pouvoir actuel qu'il le fasse, eh bien, si l'on ne parvient pas à opérer ce sauvetage de l'école, inéluctablement, le niveau moyen de savoir, de culture, de conscience même, continueront de régresser, s'amplifieront inéluctablement davantage encore les inégalités sociales et se poursuivront tout aussi irrémédiablement, ou se poursuivra tout aussi irrémédiablement plutôt, la relégation de la France parmi les nations. Je tiens à insister sur le fait que ces quatre dernières années, et tout particulièrement l'année scolaire écoulée, auront été absolument dévastatrices, sans doute sans précédent, pour notre école, au point que, tout en pesant là encore mes mots, je n'hésiterai pas à dire que Jean-Michel Blanquer, qui, notez-le bien au passage, a été ministre de l'Éducation nationale pendant toute la durée du quinquennat Macron, ce qui n'arrive pas en principe, hein. La longévité de Macron est tout à fait incroyable, eh bien, Macron a porté un coup mortel à l'école de la République à travers ce qu'il a fait du bac, sur quoi je vais brièvement revenir. Blanquer était arrivé rue de Grenelle en 10 ans, ce qui était en quelque sorte habile d'un point de vue communication,
qu'il ne fallait pas attendre de sa part une énième réforme de l'éducation nationale, que chaque ministre qui l'avait précédé avait cherché à mettre en œuvre une telle réforme, chacun a voulu sa réforme, que lui n'en ferait pas. Évidemment, du reste, Daniel, qui est probablement présent, s'en souvient fort bien, nous le disions dès les mois qui ont suivi l'arrivée au pouvoir de Macron et la nomination de Blanquer commissaire de l'éducation nationale, nous n'étions pas dupes et nous nous attendions au pire de la part de ce ministre, d'autant plus redoutable que c'est un ministre qui connaît vraiment très bien, ce qui n'est pas le cas de tous, loin s'en faut, les rouages de l'administration, et donc il fallait donc s'attendre à ce que, en quelque sorte, les bases œuvres soient d'autant plus efficientes qu'il a donc cette connaissance justement des rouages. De fait, Blanquer, non seulement ne s'est pas gardé de réformer, mais a bien réformé et a réformé dans un sens qui est sans doute le pire auquel on pouvait s'attendre. Quel est le coup mortel que Blanquer a porté à notre école? Eh bien, c'est la mise à mort du bac. Voilà, la mise à mort du bac. Le bac, dont certains d'entre vous sont en train de se dire que de toute façon, il était profondément dévalorisé, selon que vous, notamment, qui sont parents, qui ont peut-être connu le bac avant les années 90 et qui ont ensuite pu observer par leurs enfants ou à travers les enseignements que reçoivent leurs enfants, ce qui est le bac aujourd'hui. Le bac était évidemment profondément dévalorisé, un bac que tout le monde, évidemment tout cela existait avant Blanquer, que tout le monde ou quasiment obtient, évidemment perd toute valeur. Mais, ceci est exact, mais toutefois, le bac subsistait à titre d'examen terminal anonyme et national. C'est-à-dire que si on l'avait en quelque sorte vidé de son contenu, il se maintenait dans sa forme d'examen républicain. Car le caractère anonyme, je répète, terminal et national d'un examen, des preuves d'examen, est absolument garant de l'égalité des candidats devant les exigences et leur garantie de n'être distingués par la note que en proportion justement de leurs compétences, de ce qu'ils savent et ont appris, et de leurs efforts, les deux étant corrélés. Or, en faisant passer, comme ça a été le cas pour la dernière session avec le Covid, la politique prétendument sanitaire du gouvernement, qui a joué ici comme sur d'autres sujets, comme un terrible accélérateur et qui a fourni au ministre en fait un prétexte rêvé pour qu'il pousse sa réforme encore plus loin. Le bac dernière session a été passé à 82% en contrôle continu, car 82% de la note qui a été attribuée au candidat était une note qui n'avait pas été attribuée dans le cadre d'un examen passé nationalement, terminalement et anonymement, mais par des correcteurs qui ont pu, du fait des circonstances locales par exemple, eh bien, faire varier leurs critères d'appréciation. Bref, ce qui a démontré cette réforme et son application sans mesure permise par la prétendue politique sanitaire et de restriction, c'est que le bac n'était plus un examen anonyme, terminal et national, n'était donc plus un examen républicain, et que se trouvait donc là, en quelque sorte, battu en brèche, l'égalité républicaine, au niveau de ce qui est le pivot de notre système d'enseignement. Car le bac est évidemment à la fois ce qui achève le cursus secondaire et qui est le premier titre dans la typologie française des diplômes, eh bien, le premier titre universitaire. Au cours du quinquennat précédent, mais je ne vais pas me livrer à une chronologie qui serait longue, rébarbative, sans aucun doute, ce ne fut pas mieux. Je me contente de mentionner
puisque nous avons encore cela présent à l'esprit, ce que furent les politiques éducatives conduites au cours du tristement de triste mémoire quinquennat Hollande. Là, pour le coup, ce sont trois ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés. Vincent Payon, qui, alors, vous voyez, chacun y va de sa basse œuvre, hein, de son travail de sape ciblé. Blanquer, c'était le bac. Alors, Payon, ça a été autre chose. Ça a été une atteinte que les gouvernements, mais là encore, aux patriotes, nous sommes résolument positionnés par-delà la gauche et la droite, et nous avons absolument raison de nous situer dans ce par-delà la gauche et la droite, dans la mesure, on le voit bien, où il ne faut pas rechercher des responsabilités ici qui seraient unilatéralement de gauche ou unilatéralement de droite. Les gouvernements de droite comme de gauche se sont partagés, si vous voulez, le travail de fossoyeurs. Alors Payon, lui, s'en est pris très rapidement au statut des classes préparatoires aux grandes écoles. J'en parle parce que, et là aussi je pèse mes mots, pour connaître bien le système éducatif scolaire français, je dirais que les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est à peu près la seule chose qui fonctionne correctement dans le système scolaire français. Voilà. Et donc, ce petit ministre, professeur de philosophie lui aussi, je crois, Vincent Payon, c'est très logiquement, je redirai un mot tout à l'heure sur l'élitisme et la méritocratie, sans les prix à ce qu'il y a de plus purement conforme au principe d'égalité qui n'exclut pas l'élitisme, le bon élitisme, hein, à condition que des chances égales soient données à tous, que sont ces excellentes formations, que sont les classes préparatoires aux grandes écoles. Voilà. Et il s'en est par ailleurs pris, Vincent Payon. Je le rappelais hier dans un tweet, parce que pas plus tard qu'hier, le candidat, pas encore candidat, mais qui sera malheureusement candidat et risque d'être plus que candidat, à savoir Macron, a laissé affleurer ce qu'il promet comme réjouissance à l'école dans le cadre d'un second mandat éventuel. Et il annonçait que, particulièrement, il voudrait en finir probablement, enfin, il a fait entendre, laisser entendre qu'il voudrait en finir avec des carrières d'enseignants qui soient garanties toute la vie. Bon, je rappelais hier dans un tweet, sans doute un peu trop spécialisé pour intéresser grand monde, mais il faut se le rappeler que ces évolutions du métier d'enseignant qui ne se justifient pas, je ne parle pas d'un point de vue corporatiste, hein, croyez-le bien, mais si on veut une école qui fonctionne bien, il faut que les enseignants soient reconnus. Et pour qu'ils le soient, il ne faut pas que ce soit les enseignants qui soient, comme en Allemagne par exemple, contraints de faire plein d'autres choses que d'enseigner, jusqu'à, j'ai lu un article récemment dans Le Point, je crois, jusqu'à devoir balayer les salles de classe, vous voyez, après leur cours. Bon, eh bien, Payon a abrogé le statut des professeurs du secondaire, agrégés et certifiés, qui avait été défini à l'époque où l'école avait évidemment encore une ambition pour elle-même, par des décrets, les fameux décrets du 25 mai 1950. Tout cela a été abrogé en 2014 par Vincent Payon, et c'est ce qui va permettre à Macron, ça c'est moi la trivialité de la formule, de poursuivre le boulot. Voilà. Donc, vous voyez, un ministre s'en prend de façon ciblée, mène son travail propre de destruction. Voilà. Le gouvernement, le mandat de François Hollande, ce fut aussi comme deuxième ministre de l'Éducation nationale, mais on va pouvoir être très rapide, non seulement parce que le personnage est totalement insignifiant, mais surtout parce qu'il n'est pas resté suffisamment longtemps pour véritablement sévir, moins d'un an. Ce fut ensuite Benoît Hamon. Mais si je peux être rapide sur Benoît Hamon, il va falloir s'arrêter un tout petit peu plus cependant sur la ministre qui a fait immédiatement ensuite, c'est Najat Vallaud-Belkacem, ministre de triste mémoire. Je dirais, là aussi pour aller vite, que si Blanquer s'est attaqué par le bac au lycée, eh bien, Najat Vallaud-Belkacem, pareillement, s'est attaquée, elle, au collège. Vous voyez la logique dans ce travail de sape progressif.
Alors, on pourrait remonter jusqu'aux années 70, vous disais-je, la chronologie des ministres et de leurs bases d'œuvres. On entrerait rapidement dans une litanie pour connaître très bien ce que les uns et les autres ont fait. Je dirais qu'il n'y en a pas grand, il n'y en a pas beaucoup pour racheter les autres. Peut-être, même certainement, à deux exceptions près. Je crois que depuis le milieu des années 70, il y a eu deux bons ministres de l'Éducation nationale qui furent, Gilles de Robien, sous à la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac, et surtout Jean-Pierre Chevènement, qui fut ministre de l'Éducation nationale entre 84 et 86. Bon. Alors, toujours pour considérer la situation dans laquelle ces gens-là nous ont conduits, je ne m'étendrai pas, là aussi pour aller un peu plus vite, sur les classements internationaux, tels PISA ou TIMSS, qui sont, vous en connaissez sans doute les données, qui sont très souvent cités, convoqués, pour illustrer ce que je vous décris déjà depuis quelques minutes, à savoir la relégation de notre système d'enseignement. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je dirais que une précaution épistémologique nécessaire devrait demander d'en interroger ou de mettre en question la méthodologie de ces enquêtes. Mais je renverrai, sans avoir besoin de citer des données d'enquête internationale, à ce que tout le monde, ou à peu près, sait bien. Aujourd'hui, l'école, ben, c'est d'abord un échec scolaire massif. Nous sommes entre 40 et 50% d'enfants qui quittent l'école primaire sans du tout maîtriser la lecture et l'écriture. L'école d'aujourd'hui, c'est une école qui se caractérise par un effondrement absolument incroyable que tout enseignant débutant prend en quelque sorte en pleine figure lorsqu'il commence à exercer ce métier. Tant le processus de dégradation est rapide, eh bien, il était, puisqu'il débute étudiant il n'y a pas si longtemps, mais n'avait pas idée que le déclin pouvait être aussi rapide. On est devant des classes qui ne savent pas répondre à des questions aussi élémentaires que de savoir quel est le siècle des Lumières. Ce dont ils ne sont pas coupables, hein, on se comprend bien. Évidemment, si on ne leur enseigne pas, et surtout si on ne leur enseigne pas l'histoire de façon chronologique, car on n'enseigne plus l'histoire déjà depuis de nombreuses années de façon chronologique, il est bien évident qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir clairement à l'esprit ces repères temporels. La situation de l'école d'aujourd'hui, c'est la violence endémique qui gangrène d'innombrables établissements scolaires dans lesquels il est tout simplement devenu impossible de transmettre le savoir. Autre indice parfaitement clair de cette situation terrible, eh bien, c'est le tarissement des vocations. Alors, au niveau salaire, le salaire est dans la médiane, un peu au-dessus. Il y a la fameuse sécurité de l'emploi qui est un argument avant que un futur ministre ne la détruise. Mais tout cela n'est aujourd'hui pas suffisamment incitatif pour que les jeunes gens qui ont fait des études, eh bien, choisissent de devenir enseignants, tant la situation de l'école, encore une fois, est sinistrée. Et puis, plus gravement encore, peut-être, et plus révélateur encore, eh bien, il y a en masse des démissions d'enseignants débutants. Voilà. Ce qui est, là, pour le coup, sans doute plus récent, le phénomène atteint dans les INSPE, les instituts de formation, parfois un tiers pardon, des lauréats d'un concours, qui, c'est variable selon les disciplines, mais reste dans un certain nombre de disciplines, que soit l'agrégation ou le CAPES d'ailleurs, reste des concours qui sont sélectifs, néanmoins. Alors, non pas dans les détails, mais effectivement, en philosophie, en lettres, puisqu'il n'y a pas grand autre débouché que l'enseignement, les concours restent sélectifs. Eh bien, vous avez néanmoins des gens qui, après bien souvent avoir fait beaucoup de sacrifices pour préparer et obtenir un concours exigeant, eh bien, préfèrent démissionner parce qu'ils comprennent qu'ils ne pourront être dépassés que par, ils ne pourront qu'être dépassés, pardon, par tout cela.
Alors, je voudrais, avant d'envisager les préconisations que nous pouvons faire, les grandes lignes d'un programme de sauvetage et de redressement, je voudrais essayer d'aller un peu sur le fond et essayer de décrire, en répondant à la question importante, fondamentale, qui est de savoir comment en sommes-nous arrivés là. Eh bien, je voudrais décrire quelles sont les logiques sous-jacentes qui ont conduit, outre les ministres et leurs mauvaises intentions ou leurs bases œuvres, comme je l'ai dit plusieurs fois, quelles sont les logiques plus fondamentales peut-être que les individus et leurs intentions qui ont conduit à cette situation de notre école. Ceux d'entre vous, en découvrant mon titre qui avait cette référence-là, le titre de cet exposé de ce soir, ont dû voir donc la référence à Montesquieu, auteur d'un ouvrage paru en 1734, intitulé Considération sur les causes et la grandeur des Romains et de leur décadence. Sans entrer dans les détails du bourreau de Montesquieu, ce n'est absolument pas le sujet ce soir. Je dirais que on pourrait faire ici, hasarder ici, une métaphore. Montesquieu, en effet, dans ce livre, eh bien, impute, après une période de victoire, d'expansion de l'Empire romain, consécutif à la victoire remportée sur Mithridate, eh bien, impute le déclin de l'Empire romain à trois principaux facteurs: l'influence des barbares dans les légions, la perte de l'esprit civique et la rupture de l'unité nationale. Eh bien, je dirais, pour filer la métaphore, que d'une certaine façon, ces trois causes ont aussi, en quelque sorte, à condition peut-être de les interpréter, de les adapter, eh bien, agi pour participer de concert, organiser de concert le déclin de notre système d'enseignement. Je dirais que les barbares qui ont infesté les légions, et je comprends les légions comme étant les troupes de l'administration nationale et ses différents rouages, les barbares, ce sont les idéologues dont je parlais tout à l'heure. Ce sont ces idéologues souvent tout à fait fanatiques qui, comme je le mentionnais tout à l'heure, ont eu pour un certain nombre d'entre eux, je pense en particulier à quelqu'un comme Philippe Mérieux, dont le hasard a fait que je me suis retrouvé face à lui lors de la campagne présidentielle 2017 et que, sans être prévenu, et que j'avais là face à moi, eh bien, quelqu'un qui, selon mes analyses, est l'un des principaux responsables de la situation actuelle. Ces experts, ces idéologues, qui donc ont hanté en quelque sorte les couloirs du ministère de l'Éducation nationale, ont eu l'attention, l'écoute des ministres, d'un certain nombre d'entre eux du moins, lesquels leur ont demandé des rapports, rapports qui ont inspiré les réformes mises en œuvre par les 10 ministres. Oui, je les considère comme des barbares par métaphore, parce que ils ont été parmi les premiers à saccager le système. Et puis, autre raison, peut-être plus annexe, leur langue est souvent, et c'est ce à quoi renvoie le terme de barbare, est souvent un sabir tout à fait incompréhensible, parce que ces gens-là sont de pseudo-experts, experts d'une pseudo-science, ou de pseudo-science, les sciences de l'éducation. Et il est connu que moins une science en est une, plus elle a sans doute besoin de faire accroire qu'elle est plus scientifique qu'elle n'est. Et l'un des moyens très connus pour paraître plus savant, c'était déjà le cas des médecins de Molière, eh bien, c'est d'avoir recours à certains procédés langagiers. Les médecins de Molière parlaient latin pour dissimuler leur ignorance. Les experts ou pseudo-experts en sciences de l'éducation utilisent des grands mots dont vous devez avoir peut-être connaissance, parce que c'est tellement hautement ridicule que ça avait été porté à l'attention du grand public. Pour rappel, dans certaines théories pédagogistes des sciences de l'éducation appliquées à l'enseignement du sport, eh bien, on a trouvé, c'est un exemple connu, l'expression, on a vu apparaître l'expression de référent bondissant ou rebondissant pour désigner le ballon. Donc voilà le sabir des pseudo-experts
par lesquels ils ont dissimulé le caractère absolument non fondé scientifiquement, car une science de l'éducation n'est tout simplement pas possible. La pédagogie n'est pas une science, si vous voulez, hein. C'est une art qu'on acquiert, un art qu'on acquiert par la pratique. Et donc, on comprend que ces gens-là étaient en fait des charlatans. Bon, alors, leur charlatanisme se serait exprimé dans quelques points retranchés, ça n'aurait pas été bien grave, mais l'ennui, c'est que ces gens-là ont été mis au pouvoir. Le pédagogisme, les sciences de l'éducation ont été institutionnellement reconnues et l'ont été tout particulièrement par l'un des ministres qui me semble l'un des pires, des plus hautement condamnables pour l'influence absolument désastreuse qu'il a eue sur notre école, c'est Lionel Jospin, qui, par sa loi d'orientation et de programmation de 1989, eh bien, crée un nouveau dispositif de formation des enseignants, qui à l'époque s'appelait les IUFM, Institut Universitaire de Formation des Maîtres, qui a été réintitulé ENSP pendant un temps, qui aujourd'hui existe toujours sous le nom d'INSP, Institut National Supérieur Enseignement Formation, enfin, professeur, enfin, vous rechercherez l'explication des formations qui m'échappe. Et donc, mesurez bien la chose, Jospin, en créant par sa loi de 89 ces IUFM, ces instituts de formation, dans lesquels se sont mis à officier donc ces pseudo-experts, ces pédagogistes dont je vais faire apparaître un autre aspect aberrant de leur théorie, eh bien, ils ont pris en main, ces gens-là, la formation des enseignants, ont acquis en quelque sorte un pouvoir exorbitant et ont conduit les enseignants qui, malheureusement pour eux, étaient passés entre leurs griffes, eh bien, à se mettre à enseigner d'après ces théories fumeuses des sciences de l'éducation et dans un sens évidemment tout à fait délétère. Pour vous permettre de mieux cerner ce que c'est que le pédagogisme et les sciences de l'éducation, je dirais qu'il tient peut-être en résumé en une seule formule, une formule qui figure en toutes lettres dans la loi Jospin donc de 1789. La formule en question est la suivante. Pour les pédagogistes, je vous l'ai dit ensuite, il faut placer l'élève au centre du système, comme la suite de la phrase qu'on cite le plus souvent uniquement dans ses premiers mots est importante, comme la phrase se poursuit, comme référent de la culture commune. Voilà la formule chimiquement pure, si vous voulez, du pédagogisme et des sciences de l'éducation. Il s'agit de placer, je répète, l'élève au centre du système comme référent de la culture commune. Je la répète parce que il importe de bien prendre, de bien peser ce que cette phrase signifie. Ce qu'elle signifie, c'est ni plus ni moins que la culture, le savoir, n'est plus dans les livres. N'est plus dans les grands auteurs. J'ai cité Péguy tout à l'heure, j'ai cité Montesquieu. Ça n'importe plus. Puisque l'élève devient le référent de la culture commune. C'est-à-dire qu'il faut donc, en quelque sorte, faire fi de tout ce que les siècles ont produit d'excellence, de cette culture qui a été produite par des siècles d'excellence, pour considérer que les référents culturels du jeune sont les référents au-delà desquels il ne s'agit plus de l'élever, mais auxquels il faut toujours, avec soin, chercher à le reconduire. Voilà. Alors, ça a donné des choses extrêmement concrètes que, par exemple, Jean-Paul Brigelli, qui a commis un très nombreux livre sur l'état du système, sur ce dont on parle en fait ce soir, il y a déjà assez longtemps, je crois que son livre « La fabrique du crétin » date de 2007, décrit très bien, pour l'avoir très très précisément observé, puisqu'il s'agit donc de faire de l'élève le référent de la culture commune, eh bien, en cours de français, comme les élèves écoutent plutôt du rap qu'ils ne lisent Charles Péguy, eh bien, on s'est mis non plus à leur faire lire des textes de Charles Péguy,
mais à prétendre les faire travailler sur des textes de rap. Voilà. Alors, ça aurait été marginal, expérimental? Non. Ça n'aurait pas été grave. Je l'ai dit juste avant, la loi Jospin 89 met ces gens-là, ces théoriciens, n'est-ce pas, au pouvoir. Et du coup, cela va se faire dans une très, très, très large mesure. Si bien que les enseignants qui continueront à enseigner la culture classique, hein, seront parfois obligés de le faire comme des résistants. Vous savez, les résistants que vous êtes, nous sommes tous face à une politique sanitaire ou prétendument sanitaire insensée. Eh bien, quand les politiques scolaires, elles aussi deviennent insensées, l'enseignant qui n'est pas, lui, totalement insensé, qui a encore gardé du sens de l'ambition, un sens de ses missions, il est contraint de faire de la résistance, voilà, au risque, bon, il y a des risques hein, dans l'existence, eh bien, de se faire, bien sûr, taper sur les doigts par sa hiérarchie. Alors, cette théorie de l'élève au centre, je répète, formule chimiquement pure du pédagogisme, a largement contribué au déclin, à la situation que j'ai longuement décrite auparavant. Et puis, il y a une deuxième logique. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'égalité, comme vertu, comme principe sur lequel doit être fondée notre école, il se trouve que, j'ai essayé d'être rapide et donc je sois très clair, il se trouve que cette notion d'égalité est extrêmement ambiguë. Et je dirais qu'il y a une mauvaise égalité, mauvaise parce qu'elle est mal comprise et qu'elle produit des effets inévitablement désastreux parce qu'elle est mal comprise. Et une bonne égalité qui est l'égalité bien comprise. Et c'est l'égalité républicaine. Alors, qu'est-ce que c'est que de mal comprendre ce que c'est que l'égalité républicaine, de faire en réalité, de commettre un contresens sur ce qui est l'égalité républicaine? Eh bien, c'est de croire que l'égalité justifie de rabaisser, de baisser le niveau d'exigence pour que tout le monde y arrive. Voilà. Donc, on revoit à la baisse le niveau d'exigence et comme ça, on peut s'assurer que ce sera plus égalitaire, j'admets le terme, que ce sera conforme à l'égalité parce que beaucoup plus de gens y arriveront qu'auparavant. J'admets pas le terme d'égalité, par contre. L'égalitaire, l'égalitarisme, ça c'est l'égalitarisme, c'est pas l'égalité. La véritable égalité, l'équité républicaine, hein, l'égalité républicaine qui inclut l'équité, c'est, on peut l'énoncer dans une formule. J'évoquais tout à l'heure le plan Langevin-Vallon. Cette phrase est très connue, je l'ai de très nombreuses fois citée, peut-être à chaque conférence. Paul Langevin, donc co-auteur de ce plan Langevin-Vallon, disait que l'école devait permettre la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Je répète, la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Eh bien, là, vous avez, à l'inverse de l'égalité mal comprise que j'ai considéré juste avant, la formule chimiquement pure de l'égalité bien comprise, de l'égalité républicaine, qui inclut l'équité. L'idée est donc de donner, c'est ça l'égalité républicaine, donner des chances égales à tout le monde, à tous les enfants, quel que soit, bien sûr, leur milieu d'origine, et tout particulièrement en mettant le paquet, en portant une attention particulière à donner des chances égales à ceux qui sont par la naissance, par l'origine, défavorisés. Comme l'était peut-être le petit Peggy lorsqu'il était à l'école, au début de son cursus remarquable. Et donc, d'aider tout particulièrement ces enfants pour essayer de rétablir une égalité en leur donnant des chances égales à ceux qui viendraient de milieux sociaux, culturels plus favorisés, pour qu'ensuite puisse s'opérer une sélection juste basé sur le fait que, à chance égale, eh bien oui, on puisse sélectionner les uns les autres en fonction de la réussite de chacun, qui illustre le mérite, les efforts que chacun a fournis. Vous voyez, vous avez donc du coup
une égalité bien comprise, l'égalité républicaine, et une égalité comprise à contresens, celle au titre de laquelle on abaisse le niveau pour que tout le monde y arrive. Bon. Alors, figurez-vous que même si ce contresens, cette perversion de l'égalité est proprement insensé, eh bien, des idéologues, alors là, ce sont plutôt des sociologues. Et je viserai Pierre Bourdieu, très célèbre sociologue, qui a été une sorte de référence absolue dans la sociologie française, mais peut-être surtout ses disciples, qui, tout cela est profondément ironique, était lui-même, Pierre Bourdieu, un petit paysan du Béarn, qui a dû, à l'école de la République, à l'époque où elle permettait des parcours d'excellence, où elle permettait la promotion sociale, eh bien, de devenir agrégé de philosophie, puis professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie. Et pourtant, voyez-vous, Bourdieu, ou du moins, alors, il faut être prudent, hein, parce que par excès de simplification, je voulais vous dire des choses fausses, une certaine instrumentalisation, serait peut-être plus exact, des théories bourdieusiennes, eh bien, a conduit des gens donc parfaitement influents auprès de différents ministres à inspirer des réformes allant dans le sens, non pas de l'égalité bien comprise, de l'égalité républicaine, mais de l'égalitarisme qui en est l'absolu opposé. Voilà. Et cela remonte. Et voyez, les repères chronologiques que je vous ai donnés manifestent toute leur cohérence, parce que on peut considérer que dès 1975, avec la réforme qu'on appelle la réforme Abi, H-A-B-Y, nom du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, nous sommes sous Giscard, qui crée le collège unique par la réforme de 1975, eh bien, nous avons là une application de ce contresens sur l'égalité qui va en fait, par égalitarisme, qui une fois encore est l'inverse de l'égalité bien comprise, eh bien, conduire à un nivellement par le bas et donc conduire à la situation dans laquelle se trouve le collège, et puis par le collège depuis déjà longtemps. Vous savez tous probablement qu'à vouloir faire un collège unique, ce qui part peut-être de bonnes intentions, hein. Je ne présume pas la pureté des intentions des uns et des autres. Mais enfin, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il y a peut-être l'idée, effectivement, une bonne intention qui préside à ce type de décision et de politique publique. Mais le collège unique a été absolument désastreux, parce que faire cohabiter dans une même classe des enfants qui sont plus disposés à la réflexion abstraite, des enfants qui sont plus disposés au travail manuel, des enfants qui sont rapides dans la compréhension, des enfants qui sont lents, eh bien, ça ne peut conduire bien évidemment qu'au nivellement par le bas, et c'est inéluctablement ce à quoi nous avons assisté. Alors, je vois que le temps passe. Je voudrais, au nom des logiques, puisque j'évoquais tout à l'heure les trois causes du déclin de l'Empire romain, il y a aussi, donc là on était plus dans le fait que le citoyen, l'égalité citoyen et qui est égalité des chances d'abord, et égalité en droit bien sûr, était battu en brèche. Bon, il y a eu également, qui explique la situation que nous connaissons, eh bien, l'importation de toute une série de réformes qui sont de provenance, je dirais, pas tant étrangère. On peut trouver de bonnes idées à appliquer à notre propre école dans les politiques scolaires qui sont mises en œuvre, pratiquées dans d'autres pays. Mais en fait, des inspirations mondialistes et européistes. Bon, je ne dirais qu'un mot là-dessus. Si la question du caractère tout à fait négatif, de l'influence tout à fait négative de l'Union européenne sur nos politiques éducatives vous intéresse, je me permets de vous renvoyer à un long texte sur le site externalisé du pôle d'expertise, donc souverainisme.fr,
qui porte justement là-dessus, qui décrit l'ensemble des mesures en question d'inspiration européiste et mondialiste. Bon, il faut savoir tout de même très rapidement que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière éducative. Mais elle a néanmoins le pouvoir d'influer sur les politiques éducatives qui sont conduites par les États membres au titre de ce que lui est reconnue donc la fonction de devoir les coordonner. Voilà. C'est ce qu'on appelle une compétence d'appui. Mais évidemment, les recommandations de l'Union européenne resteraient d'être mortes si nous n'avions pas affaire à des gouvernements qui soient serviles. Or, il ne fait aucun doute pour personne ici que nos gouvernements sont tous très profondément au service, dans une servilité même sans borne, à tous égards, à l'égard de l'Union européenne. Et de sorte que elle s'est employée, la France s'est employée à cause de ses ministres successifs, eh bien, même si elle n'y est pas contrainte, en rien, à eh bien, suivre les recommandations de l'Union européenne. Alors, les recommandations de l'Union européenne, ben, c'est notamment des recommandations qui vont dans le sens d'une révision encore à la baisse, hein, du niveau d'exigence en termes de contenu enseigné. Vous avez peut-être, pour feuilleter peut-être des cahiers de vos enfants ou lu des instructions données aux enseignants de vos enfants, rencontrer cette formule de socle commun des compétences et des connaissances. Bon. Alors, le socle commun des connaissances et des compétences, en termes là, ces choses-là sont dites, en termes galants ou positifs, ces choses-là sont dites, n'allez pas vous imaginer que c'est la culture générale. La culture générale, le niveau de culture générale, il est justement en chute libre chez nos enfants et nos jeunes, malheureusement, sauf s'ils ont reçu ou ils ont la chance d'être dans un milieu social qui leur permet un accès à la culture, ce qui, l'école devant, normalement remédier à ces inégalités, je le redis. Non, le socle commun, c'est, pour être très rapide, c'est des compétences tout à fait réduites au minimum. Et pour être vraiment rapide, pour que tout le monde comprenne de quoi je parle, Berlusconi, vous savez, ce voyou qui a servi de Premier ministre à l'Italie à plusieurs reprises, qui essaie, si j'ai bien lu la presse, de devenir maintenant président italien, avait dit en son temps, et en cela il traduit exactement l'esprit de ce socle commun des compétences et compétences, que l'école a en fait trois objectifs. Elle doit, trois objectifs qui se résument dans ce qu'il appelait la règle des trois I. Les trois I, c'est inglés, c'est-à-dire l'anglais. Alors attention, hein, pas l'anglais comme langue, le globish, l'anglais de communication internationale, la langue des échanges internationaux qu'on continue à parler dans les instances européennes, même s'il n'y a plus de Grande-Bretagne dans les instances européennes, hein, on parle bien de ça. Que Claude Agege, le grand linguiste français, Claude Agege le disait dans un livre il y a déjà quelques années, que dans les conseils d'administration des entreprises françaises, même s'il y a c'est une entreprise, même si ce sont des entreprises qui n'ont pas de rayonnement international et s'il n'y a pas un seul anglophone dans ces conseils d'administration, on se pique de parler anglais parce que on manifeste. Bon, donc c'est l'anglais de communication internationale, première compétence, c'est-à-dire le globish, quoi, ce qu'on appelle le globish, ce qui était la koiné, le grec commun, le grec commercial au premier siècle de notre ère, le grec de l'âme du poids, en quelque sorte. Deuxième compétence, Internet, deuxième I. D'accord ? Donc, il faut que les enfants sachent surfer sur Internet. C'est la raison pour laquelle eh bien, il y a un dispositif qui s'appelle, au niveau du secondaire, le dispositif PIX, qui a pour finalité justement de permettre aux enfants de savoir utiliser à des fins d'employabilité, bien sûr, hein, l'outil informatique, l'outil numérique, les compétences en informatique sont, je crois, évalué dans toutes les filières universitaires depuis. Ça, c'est sur ordre de l'Union européenne. C'est très concret ce que je vous dis. Hein. Voilà. Et le troisième I, troisième finalité, ça s'arrête là pour Berlusconi qui
qui traduit ce que c'est que ce socle des compétences, eh bien, c'est l'impresa. L'impresa, c'est-à-dire l'entreprise. Voilà. Donc, à quoi doit préparer l'école? Elle doit préparer l'école dans la perspective ultralibérale qui est celle de l'euro, de l'Union européenne, eh bien, à savoir s'exprimer, baragouiner en anglais de communication internationale, à savoir utiliser Internet pour travailler et à savoir et être converti aux règles du marché généralisé et à connaître le monde de l'entreprise. Vous me direz, bien évidemment, quid de la culture classique dans tout ça? Eh bien, il n'y en a plus, parce que la culture classique, il n'en est plus besoin du tout, bien sûr. Bon, ce que je vous dis là est très connu. Hein. Si je puis me permettre de vous faire une autre référence, il y a un livre qui est déjà très ancien, donc qui voit la logique en question que je vous expose là de façon très précoce. C'est un livre paru, je crois, en 2002, voire, peut-être même en 99, à vérifier, qui s'appelle « L'enseignement de l'ignorance », dont l'auteur est Jean-Claude Michéa. C'est un très court livre, très, très éclairant sur ce sujet. Jean-Claude Michéa étant un auteur intéressant, le philosophe que je suis, le professeur de philosophie, pour rester modeste, devine que peut-être Michéa sera un des très rares philosophes français écrivant aujourd'hui, ce ne sera certainement pas Beethoven, qui restera dans les mémoires après sa mort, je pense, parce qu'il a commis des ouvrages tout à fait intéressants. C'est un grand penseur de la gauche, de son devenir historique, du libéralisme, et ce livre est tout à fait éclairant sur le sujet. Voilà, donc l'école, notre école, nos politiques scolaires, eh bien, subissent les effets également d'un défaut de souveraineté qui n'est pas total en matière de politique éducative, donc pour les raisons que j'ai dites, mais qui est bien réel cependant, bien effectif cependant, parce que le gouvernement suit les recommandations de l'Union européenne, puisqu'ils sont totalement convertis au dogme de la prétendue nécessaire harmonisation au niveau de l'Union européenne. Je l'énonce sans détour à présent que le moment est venu d'envisager l'avenir, le devoir impérieux qu'il nous fait dès à présent, quand l'école de la République n'est plus aujourd'hui qu'un vaste champ de ruines, est de concevoir le grand plan de sauvetage du système d'instruction et de formation qui le tirera du désastre. C'est bien de renaissance qu'il s'agit, ce qui ne saurait certes consister à prétendre refaire l'école du passé, mais, comme je l'annonçais au début de cette conférence, à refonder l'école sur les principes fondateurs qui permirent son excellence passée, à savoir celui de l'excellence justement, mais aussi celui du mérite et de l'égalité républicaine. Comme notre projet d'ensemble, et particulièrement dans ses aspects institutionnels, est un projet de refondation républicaine, dans la perspective d'une souveraineté nationale pleinement retrouvée, dans l'esprit aussi de la réforme constitutionnelle de 1962, ce qui passera par la consultation systématique du corps civique par la voie du référendum enrichi de celui d'initiative citoyenne, notre projet pour l'école est pareillement un projet de refondation de l'école de la République. Ainsi, à l'opposé de toutes les réformes, depuis celle de René Haby, qui instaura dans les années 70 le collège unique, véritable péché originel dans l'histoire des politiques éducatives, il nous appartiendra de sauver l'école en la replaçant sous le signe de l'excellence, mais dans la reconnaissance de la pluralité des parcours et des voies. Et nous voyons dans la création en 1985 du bac professionnel, dans son esprit et dans son principe du moins, une avancée dans le sens de cette nécessaire refondation. Ainsi, notre système d'enseignement pourra-t-il vraiment permettre la sélection des meilleurs par la promotion de tous, pour citer une fois encore la célèbre formule de Paul Langevin? Et l'on doit veiller à produire l'émulation méritocratique dans l'ensemble des voies, car il y a autant de mérite à être des meilleurs dans les savoirs théoriques que dans les savoir-faire pratiques. C'est ainsi et ainsi seulement que notre système permettra de transcender les inégalités sociales d'origine et offrira, de ce fait, des chances véritablement égales de promotion sociale à laquelle chacun a droit à proportion de ses capacités et de son mérite.
C'est pourquoi le premier impératif pour l'école, telle que nous la ferons, sera de garantir une stricte égalité des chances. Cela passera par une transmission exigeante des savoirs, tout particulièrement en direction des enfants les moins favorisés, car c'est eux surtout, qui ont tout à attendre de l'école et auxquels l'école doit garantir des chances d'émancipation et de progression sociale. Donner beaucoup à chacun, au titre de l'égalité des chances, cela consiste d'abord à transmettre sans faillir, à commencer par les savoirs fondamentaux. Transmettre le savoir, à commencer par les savoirs fondamentaux, c'est en premier lieu la fonction essentielle de l'école primaire et tout particulièrement de l'école élémentaire. Elle doit transmettre les éléments de toute instruction sans lesquels aucune réussite n'est possible. Plus aucun enfant, en effet, ne doit sortir de l'école primaire sans maîtriser la lecture et l'écriture, sans savoir compter et calculer, sans disposer de connaissances historiques et géographiques élémentaires, en particulier nationales, lui permettant de se repérer dans le temps et dans l'espace. L'enseignement primaire devra donc être profondément réformé afin de le recentrer sur ses missions essentielles, en redéfinissant les contenus enseignés comme les méthodes d'enseignement, considération prise de l'ordre des priorités. Il est tout particulièrement nécessaire de consacrer à l'école primaire la moitié du temps d'enseignement à la langue française. Le deuxième impératif pour l'école telle que nous la ferons est celui d'entrer résolument dans la culture de l'orientation positive fondée sur la sélection juste. Elle se doit à ce titre de proposer à chacun, selon ses aptitudes et ses goûts, des voies permettant de s'accomplir en trouvant du sens, des raisons d'épanouissement personnel et des motifs de reconnaissance sociale. Ce sont là les conditions pour que l'orientation des uns et des autres se fasse de façon raisonnée et pour que la nécessaire sélection entre ceux qui poursuivront des études longues et ceux qui s'orienteront vers des métiers plus manuels et techniques ne soit vécue par personne comme un échec ou une relégation. L'une des principales exigences est ici la revalorisation effective de la voie professionnelle qui ne doit plus être choisie par défaut. L'impératif est de revaloriser l'apprentissage en particulier, qui doit faire, et sans nul doute précocement, l'objet d'un choix pleinement volontaire et positif, ce qui ne pourra être le cas qu'à partir du moment où cette filière sera absolument qualifiante, où les apprentis, comme les employeurs, y trouveront les uns et les autres leur compte, ces choses réalistes du fait des débouchés qui incontestablement existent. C'est de surcroît ce que doit viser une volonté politique qui, à juste titre, ne consent pas à la mort progressive de notre artisanat, de nos commerces et de notre industrie. Le troisième impératif sera de refaire de notre système scolaire un service organique de la République en lui permettant de pleinement instituer le citoyen, capable d'un exercice libre et raisonné de la réflexion critique, et de se représenter lui-même comme membre à part entière de la seule communauté qui vaille, la communauté nationale. Qu'on prenne bien la mesure de l'importance capitale de ce dont il s'agit ici. L'école, pour ainsi le dire, doit fabriquer des citoyens pour réunifier la nation. Au fond, il s'agit de sauver l'école pour sauver la République. À cette fin, l'école doit remplir la fonction primordiale d'assimiler chaque enfant de France à la communauté nationale. Cela exige d'elle qu'elle méconnaisse tous les particularismes d'origine, de religion, d'appartenance à telle ou telle communauté, à travers lesquels, trop souvent, dans une société communautarisée, c'est-à-dire au fond disloquée et composée d'individus atomisés, chacun est si prompt à se reconnaître. Et c'est pourquoi une laïcité stricte doit s'imposer à l'école, de même qu'une absolue neutralité idéologique et que tout enseignement doit scrupuleusement veiller à ne solliciter en l'élève que ce qu'il y a d'universel en lui,
ses capacités rationnelles d'analyse et de réflexion, la raison étant en chacun sa nécessaire adhésion aux principes universels de la République, ses légitimes aspirations à l'émancipation sociale et au bonheur. Je n'entre pas dans le temps forcément limité de cette intervention, dans le détail des mesures concrètes que nous avons élaborées pour que l'école réponde au mieux à ses finalités. On les retrouvera dans les publications du pôle d'expertise des patriotes. Et on considérera tout particulièrement nos 100 propositions pour l'école et l'université de demain. Ces perspectives et propositions, je le crois, nous le croyons, outre qu'elles sont de simples bon sens, dessinent une ambition pleinement républicaine pour l'école. Elles devront, de toute évidence, orienter le grand plan de sauvetage, de refondation et de reconstruction de notre système d'enseignement qui lui permettra de renouer avec sa mission d'instruction dans l'intérêt des enfants et des jeunes que la nation lui confie et dans celui de la nation tout entière.